Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil 3. Eh oui, non mais c'est nouveau, ça vient de sortir. Non mais on va jouer à Resident Evil 4, on va charger le chapitre 5-3. Et enfin normalement. Ouais, ça doit être ça, ouais. On s'en bat les steaks de toute façon. Voilà, donc du coup, on n'oublie pas ça, voilà. Et bah voilà, on va faire un petit chapitre, tranquillou, voilà. Alors par contre... Ok, donc ça, je m'en vais steak, ok. Bon, on a vraiment que dalle. Hein. Alors par contre, j'ai augmenté le volume sonore du micro. Donc en gros, il capte le son plus fort. Et donc du coup, il risque d'avoir un peu plus de grésillement derrière. Si vous mettez plus fort. He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Ok. Tu m'as coupé la parole, espèce d'enculé, je vais te niquer toi. Non mais tout à l'heure, dès que je vais le voir, je vais prendre le magnum, ça va faire pop pop pop, hop, il va mourir. T'sais. Non mais attends, on me coupe pas la parole comme ça moi. Donc du coup... Oh putain, tais-toi toi. Ouais, donc du coup au niveau du micro, j'ai augmenté la capture du son, donc... maintenant il capture plus fort. Et donc du coup, bah, si vous mettez le son bien fort, il risque d'avoir des grésillements derrière, tout ça. Faut bon, c'est pas très grave, mais c'était pour vous le dire, voilà. Ok, donc du coup... voilà, donc air verte, nanana... bah toi, je vais te défoncer la gueule. Vas-y, tape. Allez, bah, moi aussi je tape. C'est pas la même, hein, espèce de PD, bah. Allez, regarde, tu vois, je vais le mettre couché, le mec. Enfin, je le mets couché, je vais... Ouais, si, je le mets couché. Bam, t'as vu? Ça, c'est bon, ça. Bon, t'as rien du tout à me donner, espèce de... Bah, j'aime pas ça, hein, espèce de... Oh, merde. De non-prêteur, voilà. Ou de non-donneur. Oh, one shot, gros. J'ai cru que j'avais un magnum dans la main, tu sais. Putain, j'ai un magnum ou bien... Putain, un truc. Ok, non mais, c'est normal. Hop là, bah oui. Le mec, il se transforme tranquillou, c'est normal. Ok, il nous reste des balles de pistolet, mais bon, on va quand même prendre le sniper, parce qu'on a pas mal de balles. Et donc du coup, ça va bien nous servir. Alors, on va essayer de faire une collate. Ouais, si l'autre il veut bien être gentil. Ok, ça risque d'être dur. Oh, la collate qui passe bien. C'est bon ça. Vous avez vu ça un peu? Ça c'est... C'est pro du sniper ça. Attends, tu crois quoi toi? T'as cru que j'étais une petite merde et tout? Non mais... Non, y a pas d'excuse. T'as cru que j'étais une petite merde. Oh, mais il est même pas là. D'accord. Il a dû se barrer. Ok, ça doit être celui que j'ai tué en collate. Regarde, toi, tu te calmes. Voilà. Ah non, c'est même pas lui parce que... Je sais pas, c'est bizarre. Ok, alors toi, tu vas crever. Merci. Toi là-haut, là. Et toi, merci. Non, parce que bon, il y a un moment, il est chiant, quoi, tu vois. À force de me tirer dessus comme un connard, là. Ok. Ouais, toi, on attend 2 secondes. Hop, tu ne coupes pas, ok. Voilà, tu restes tranquille. Ah là, tu fais chier personne, hein, attention. Parce que moi, si tu me fais chier, je me rebelle. Hein. Fais gaffe. Me tente pas. Hein. Voilà, ça pour ceux qui savaient pas. Hein. On peut... Voilà, on peut ouvrir ici, voilà. Enfin, c'était cool, hein, non mais bon. Ça sert à rien, mais c'était cool, quoi. C'était génialissime. Ok, donc toi, tais-toi, voilà. Donc, hop, bah y'a rien. Ok, bah nickel. Oui, au fait, je pense que vous avez pas remarqué, bon voilà, mais ces derniers temps, tu sais, normalement au niveau des vidéos, tout ça, je mets un petit truc là pour pouvoir passer la vidéo, et là je le mets pas en ce moment parce que j'ai vraiment pas le temps, mais je pense qu'il y a un bout d'un moment, il faudra que je le fasse, de toute façon, il faudra que je le fasse, mais bon, heureusement, il y a pas beaucoup de monde qui regarde les vidéos, même voire pas du tout, donc heureusement, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Donc alors, voyons qu'est-ce qu'il y a ici, attention. Qu'est-ce que je vous ai pas montré dans le dernier épisode? Eh ben c'est tout simplement cet endroit. Parce que bon bah, c'est un peu quand même un endroit
un peu, enfin, ouais, on va pas, enfin, en gros, je vais pas dans l'ancien épisode mettre cet endroit ici, quoi. C'est complètement con. C'est un peu un endroit principal, voilà, quoi, important, on va dire. Moi, je vous dis à tout de suite. Non, vous savez quoi? Je mets l'endroit là. Je mets l'endroit là. Parce que je suis mort. Je suis mort comme une merde en fait. Parce que j'étais en train de lire les trucs là. Et je suis mort comme une merde. Donc du coup, je vous mets directement cet endroit là. Je mets pas là où je suis mort. Tu vois. Ça sert à rien. Tu vois, c'est nul. T'sais. Alors ça fait un bail, camarade. Ouais. Si tu le dis. Krauser. Ouais. Je suis mort dans un crash il y a 2 ans. C'est bien ce que tu. Ce qu'on t'a raconté, c'est toi qui a kidnappé Ashley. Non, pas du tout. Tu comprends vite, je m'y attendais. Nous savons tous les deux d'où nous venons. Après tout, il faut esquiver. Hop là, ok. Tu veux quoi? Bah, j'en sais rien. Ok, petite esquive au KLM. Échantillon développé par Adler, c'est tout. Par Adler, non, putain, je me suis. Oh, moi, je m'étais trompé et tout, et j'ai réussi à. Laisse Ashley en dehors de tout ça, j'avais besoin d'elle pour gagner la confiance de Shader, je suis américain comme toi. Ok, pourquoi pas. Ok, donc on esquive, boum, on descend à l'étage d'en dessous, enfin un point de... un checkpoint quoi, un point de contrôle, je préfère. Check, c'est contrôle. Bon, ça m'étonne rien. Oh, c'est la seule raison pour laquelle elle est mêlée à tout ça, bien entendu. Ok. Ou là par contre ça va être chaud parce qu'il faut appuyer plein de fois sur les touches, je sais pas si je vais y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Bam, coup de pied dans le dos, le mec il est à sèche quoi. Il est HS. Ok, alors ça va être chaud. Alors tu as tout causé donc voilà. Non, ouais, je sais pas quoi. Voilà, voilà. Je préfère. Ok, presque la chaîne de chaud, c'est parlé. Putain, enculé ta mère, qu'est-ce que tu changes de. Oh, j'ai réussi. Ah mais on est en normal, on est pas en professionnel. Je suis con. Voilà, poufias en robe rouge. On dirait qu'on a l'avantage cette fois. Vous pouvez prolonger votre vie, mais vous n'échapperez pas à l'inéluctable. Wow, c'est quoi ce mot de merde? À l'inévitable, c'est tout. Ah, qu'est-ce que tu me. Oh. Non, l'inéluctable, je sais pas quoi. Là. Vous vous connaissez? Non, bien sûr que non, plus ou moins. Il serait peut-être temps que tu dises ce que tu fais ici. Peut-être une autre fois. Ok, bon, bah les steaks. Bon, une petite vidéo bien chiante qu'on peut pas skipper. Ok, bah je vous laisse. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah. I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh. Enjoy the fun. Ouais, le problème, c'est s'il dit son nom, tu vois, et ben tu vas direct capter ce que c'est. Donc, voilà pourquoi il dit pas son nom. Bon, après, ça se trouve, il en a pas donné, hein, tout simplement, mais... Je pense que s'il dirait son nom, tu capterais direct, toi, tu dirais sur ah, je crois que je sais ce que c'est. Donc, vaut mieux pas. Ok, donc là, on fait gaffe, hein, parce que sinon, on est dans la merde. Hop là. Ok, allez, vas-y. Nickel. Là, on esquive au KLM. Là, on esquive, bah oui. Sinon, on crève. Merde. Ça paraît logique. Heureusement que c'est pas du A et B aussi. Il y a toujours du LT ici, c'est bizarre. LTRT. Il y a que ça. Ok, donc hop, on actionne. Là, attention, va falloir être vigilant. Alors, la vitesse où ils sont arrivés, je me demande comment il a eu le temps, le mec, de faire ça. Ok. Bon, bah voilà. Et là, le mec, comme un con, qu'est-ce qu'il fait? Bah, genre, bah, il voit ça, du coup, il prend ça. Mais comme un con, le mec, il se barre. Voilà, ok. Mais non, surtout pas, t'es ouf toi. Ah, et ça, tu l'as oublié ou quoi? Non mais attends. Voyons donc. Ok, nickel. Ça fait quand même 10 000 points en plus. Hein. Enfin, 10 000 pétasses en plus. Hein. C'est quand même énorme, tu vois le dé.
Alors. Ouais. Non, je sais même pas ce que je voulais regarder en fait. Je vais peut-être reprendre de la vie quand même. Donc là, on va devoir utiliser la TMP. Enfin, putain! On a gardé toutes ces munitions juste pour cet endroit. Et encore, on en a utilisé un peu. Ok, allez, recharge-moi cette merde. Est-ce qu'on a l'exclusivité? Je sais plus ce que c'est. L'exclusivité, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est pour avoir un peu plus de puissance. Welcome. Mais je sais plus si on l'a déjà sur l'arme ou pas. Si, j'ai dû l'acheter de toute façon. Ok, alors t'es où toi? Ouais, ça, je m'en bats les steaks pour l'instant. Enfin, quoi qu'il y a quoi? Ok. Ouais, contenance, on l'a fini à fond. Nickel, bon alors. De toute façon, ça sert à rien que l'améliore, le magnum. Ouais, donc ouais, j'ai fini le... Comment ça s'appelle? C'est où? Ouais. Je pense que j'arrive même pas à la voir. En tout cas, je l'ai fini. Ok, donc du coup, là, il y a que dalle. Ok. Gilet, comme d'hab. Toi, je m'en bats les steaks. Toi, je te vends direct. Allez, mais tu... Voilà, nickel. Ok, alors du coup, il y a quoi d'autre? Ok, donc les émeraudes. Ah, c'est bien ce qui me semblait. 10 000 points. Hop. Et là, bah après, on ira chercher la dernière. Truc. Enfin bon, on se dépêche un peu parce que, oh, pas que ça à foutre aussi. Le problème, c'est que j'ai pas mal de vidéos par jour maintenant à faire. 3 vidéos par jour, t'imagines le délire? Ah, chaud quoi. Je sais pas si je vais tenir, putain. Donc du coup, hop, on prend ça. On se casse. Et on va tout simplement utiliser notre mitraillette. Hop, petit chargement, KLM. Heureusement que les chargements sont pas longs, hein, sinon ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse une coupure à chaque chargement et tout. Ça serait chiant. Ok, donc, hop. Voilà. Ouais. Rien du tout de toute façon ici. C'est parti. On va utiliser notre mitraillette. On va tout faire péter. Ok, nickel. Alors juste on a combien de balles? Je pense qu'on va utiliser un peu de magnum quand même. Oh, moi j'ai bien envie moi. Bon, pas maintenant mais après quoi. Alors. On va voir ce qu'il découvre, attention. Waouh. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben c'est ce qu'on a mis sur Ashley la dernière fois. Ouh, ça fait peur. Ça fait flipper. Vous imaginez un peu la taille du monde. Bon, il est pas si grand que ça, tu vois le délire, mais bon. Putain, à quand un monstre qui fait la taille d'un étage? Enfin, la taille d'un immeuble. Imagine le monstre qui fait la taille d'un immeuble et tout. Putain, imagine à tuer et tout, ça doit être trop dark, quoi. Ok, donc toi, ouvre-toi. Oh, l'esquive! Allez, bim, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh ben, tu vas rien faire, mon pétail. Ok. Bon, c'est pas qu'on s'en fout de prendre ce qu'il y a. Ah oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, on va devoir y prendre. Parce que de toute façon, on passe devant, donc autant y prendre. Ok. On récupère tout ça. Bon, les balles de fusil à pompe, je m'en fous, mais je les prends quand même. Voilà. Hop, toi, tu dégages. Voilà, nickel. Donc là, normalement, il est derrière moi. Enculé. Ok, petite esquive. Ça, c'est bon. Voilà. Et vite, cours, cours. Tu peux y arriver. Non, il reste plus assez de temps. Bon. Ouais, donc il y a 3 cages à faire, en fait. Et du coup, bon, on va se les faire, tout simplement. Ok, donc toi, tu dégages, merci. Toi, tu... t'ouvres. Voilà. Donc là on fait attention. Monsieur est méchant. Ok, nickel. Du coup, hop, on ouvre ça. Putain, tu peux pas dire qu'il va me percher là. Oh là 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 là, l'enculé. Oh putain, l'enculé. Oh, what the fuck. Oh. Ah ouais, non mais là vraiment l'enculé en fait. Le mec il m'a pompé je sais pas combien d'énergie quoi. Se calme, Maurice là-haut. Oh. Putain. Je t'ai pas pris. Alors. Ouais, ok. Alors, on ouvre ça. On prend les munitions de mitraillette quand même, ça peut servir. Ok. Voilà, nickel.
C'est bizarre hein, parce qu'il tombe jamais dans le vide. Hein. Non, il arrive toujours à temps et tout. Ok, donc toi je m'en fous. Waouh, super, il est moche. Ah, franchement, il est moche. Ok, ça c'est fait. Bon, on va peut-être aller là. Non. Ah ouais, d'accord. Ok, bon. Du coup. Rien du tout. Du coup, on va casser le machin. Viens là, toi. Non. Non, ne touche pas. Wow. Tu sais que t'as failli me toucher, sale PD. Ouais. Putain. Non, mais aucun respect, quoi. Hallucinant. Allez, c'est parti. Viens là, toi. Voilà, nickel. Non, non, mais touchez pas. Ok. Alors, vous voyez, alors que le temps il est pas terminé, dès qu'on ouvre la porte, ça fait tomber direct le truc. Et bon, on peut se dire qu'en ouvrant la porte, ça active quelque chose qui fait directement tomber la plateforme. Ah, pourquoi pas? Parce qu'au moins, ça, on va dire, ça rassure, ou j'en sais rien. Boum. Et là, ça se trouve, c'est en touchant le. Enfin, en allant sur le crochet, ça se trouve, ça active quelque chose, peut-être. On sait pas, on sait pas. Voilà, quoi. Et après, on peut se dire tout plein de trucs. Hein. Ok, on récupère tout ça. Hop. La plante aussi. Ah oui, ça par contre c'est pas bon pour nous ça. Ah, c'est pas bon du tout. Vas-y, ferme la porte, là, ferme la porte. Putain, t'as fermé la porte avant quand même, hein. Google. Ouais, par contre, je sais pas comment je vais faire. Salut, comment tu vas? Moi je m'appelle Agnès, et toi? Non, vas-y, me touche pas s'il te plaît. Merci. Ta gueule, salope. Tu sais que ça fait mal ça. Hein? Ça le PD, ouais. Allez, c'est quoi? J'ai à peine décidé Magnum. On va voir en combien de balles il fait. Ouais. Déjà? Non. Mais non, il est pas mort, il est pas mort. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est juste qu'il s'excite un peu. Ok. Bon, on va peut-être commencer à utiliser le Magnum quand même. Parce que bon, je suis pas non plus. Hein, voilà. J'ai pas envie de mourir, moi. Ok, normalement, il y a une deuxième esquive. Même pas? Ça me manque. C'est bon, t'es mort? Putain, t'es toujours pas mort. Putain, mais tu vas jamais crever, toi, ou quoi? Bon, allez, arrêtons d'utiliser le Magnum. Et prenons la mitraillette, voyons. Ok, viens là. Ok, normalement, il y a une deuxième esquive. Mais même pas, putain, mais tu vas. Tu vas te faire esquiver deux fois, ouais. Bon, t'es mort. C'est génial. J'ai bien fait de pas utiliser une dernière balle de magasin. Ok, bah c'est nickel tout ça donc. Ok, passe-moi tes sous, voilà, tout content. Wow, petit lag là. C'est magnifique. Ok, on récupère les balles de pistolet. Bah attends, ça peut servir hein, balles de pistolet. Bon, maintenant on va utiliser la mitraillette, c'est sûr, mais bon. Malgré tout, on sait jamais. Balles de pistolet, ça peut servir. Ok, donc c'est parti. Attends, plante rouge, je l'ai pris ou pas? Non, j'ai pas pris la plante. Ah non, j'ai pas pris. Mais ce qui me semblait. Bordel de merde. Ok, donc c'est parti. On se casse. Toi, il aurait pu aller directement là. Mais non, le mec, non, il s'est dit, tiens, autant aller dans un endroit où le mec peut me suivre. C'est beaucoup mieux. Ok, donc du coup, on va récupérer la plante. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Et voilà. Alors, du coup. Bon, ça sert à rien de passer par là. Hein. Tu peux aller là-bas, mais bon, il y a rien du tout, donc... ça sert à rien quoi, c'est nul. Ok, vas-y, grimpe là-haut. Là, là, là. Ok, donc là, il y a une grenade dans le machin. Pas comme la dernière fois que j'avais dit qu'il y avait une grenade. Dans le tiroir, enfin dans le placard. Alors qu'il n'y en avait pas, mais ici, il y en a une. Je m'étais un peu trompé, quoi. Alors. Ok, donc hop. Bon, on casse ça. Hop là. Putain, il y a rien du tout dedans. Vas-y, tais-toi, toi. Oh là là. Putain, il y a des fois ils sont désespérants. Salut mec, comment tu vas? Moi perso je vais bien. Toi ça va, ça farce tout tout. Tranquille. Ok. Allez, c'était chaud à me suivre, hein. Pas de soucis. Le mec il s'en bat les steaks, Non, je reste dans mon coin, connard. Je t'aime pas. Vas-y, viens là. Sale tapette. Ok, c'est parti.
Là, nous, il faut qu'on aille de l'autre côté, là. Qu'on aille là, ici. Mais comment? Voyons comment? Il y a un grillage qui nous barre la route. Ah, et toi, t'as pas voulu te faire exploser la tête, sale PD. Tiens, t'as mal, hein? Connard. Tiens. Là, t'as le démon. Ok, donc ici, y a rien du tout. Dommage. Ah, des sous, c'est bon ça. Ok, on récupère les sous-sous. Hein, et après avoir récupéré les sous-sous, hein, et ben on casse ces deux trucs. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est le moment de vérité. Ouais, là on va avoir le bijou. Là. Ça va être génial, tu vois. Tu vas faire. Waouh, le bijou il est trop beau. J'adore. Non, en fait, on s'en bat les steaks. C'est surtout pour le pognon, tu vois. C'est pour avoir un max de pétasses. Oui, youpi. Alors. Non, c'est pas là. Voilà. Ok, donc, hop, combiné. Nickel, on examine, on combine. Je sais pas, franchement. Ouais, non, en fait, je dis de la merde des fois, tu vois. Mais je suis fatigué. Alors, du coup. Ouais, on casse ça. Voilà, nickel. Ok. Non, ça, on s'en fout. Vu qu'il n'y a rien du tout dedans. Voilà, donc là, il y a le petit tonneau avec de l'argent. Non, même pas des balles. Mais oui, bah, va-tu enculer. Ouais. Ouais, on s'en fout de Crozer, ok. Juste, on en est où? Oh, il nous en manque 3. Putain, c'est pas mal, ça. Ok, alors juste... Non, c'est pas là. Si, attends. Oui, si, c'est là. On va examiner ça. Ah, mais j'ai déjà tous, mais c'est magnifique. Ok, donc je te parle parce que j'ai envie de te parler. Voilà, je fais ce que je veux de toute façon. Tu fermes ta gueule. Tu me laisses parler. Tu fais pas. Ok, nickel. Voilà ce que je vous en dis. Ok, mais on s'en fout de tout ça. J'y ai tactique, munitions, nanana. Ok, donc toi. Non, mais attends, putain. Ouais. Ok. Et donc toi on peut te vendre, génial. Enfin on s'en débarrasse. Ok. Donc du coup hop on monte là-haut. Voilà. On récupère les sous qu'on a débloqués tout à l'heure, voilà. On regarde vite fait s'il y a quelque chose, ça m'étonnerait. Ok, c'est bien, ce qui me semble, il n'y a rien. Et maintenant, on va se torturer. Mais si, tu vas voir. Là, on récupère la plante quand même. Bah, parce qu'on n'est pas con, tu vois. Hop, voilà. Allez, c'est parti. On va aller à droite, là, il y a quelque chose. On sait jamais, des fois, hein, je peux peut-être découvrir des choses en live, comme ça. Ouais, bah, ça m'étonnerait qu'il y ait quoi que ce soit, mais on s'en fout de toute façon. Il faut speeder, j'avais dit. Je suis loin d'avoir speedé. Alors, vous êtes devenus inséparables, c'est ça? Bah, Ashley est dans ton cul. Tu veux vraiment le savoir? Ah bah, tu vois, je t'avais dit. Dans ton cul. Derrière ce portail. D'accord. Mais il te faudra 3 signes pour l'ouvrir. Qu'est-ce que tu comptes faire, Crozer? Il y en a un au nord, il y en a un à l'est. Laisse-moi deviner, tu as le dernier. Bah en fait je l'ai enfoncé bien profond dans mon cul, donc il va falloir me tuer pour l'avoir quoi. En clair tu devras pas aller loin. Tu devrais... Ouais, enfonce en bataille. Tu as bien prévu ton coup. Qu'est-ce que c'est que j'ai pris? Non, en plus c'est vrai, il l'a foutu dans son cul. On va devoir le tuer pour le récupérer. C'est pas du mytho. Non, attends, deux secondes. Eh, il est pas patient. Non, attends. D'abord, je monte. Après, je récupère les munitions. C'est quoi? Non, franchement, on n'aura pas le temps de... Ah, je tente. On verra bien. Si on n'a pas le temps, la prochaine fois, tu seras le magnum. Putain, j'ai plus de place, quoi. Sérieux? Ok, mets-toi là. Merci. Pour éviter la gênance, tu te mets là, toi. Merci. Ah, merde, j'ai cru que j'étais déjà là. Je me suis dit, ah, je ne fais pas là. Allez, esquive! Esquive! Tiens, qu'est-ce que tu vas faire, beau gosse? Enfin, non. Tapette, va. Allez, qu'est-ce que tu vas faire, oh. Tiens! Ah non, ça fait mal, ça. Eh, c'est méchant, t'as pas le droit. Corps à corps, c'est interdit dans le jeu. Si, je t'assure.
Moi aussi j'ai eu au corps à corps, tu vois, ça fait mal. Merde, putain, j'avais pas y arriver. Ce qui est bien avec la mitraillette, c'est qu'elle a masse de munitions, pas besoin de recharger. Ou presque pas. Bon, tu finis jamais toi. Mais la prochaine fois, je prends le magnum, hein, c'est mort. Tombé, le mec, il finit jamais quoi. Oh, tu m'as pris pour qui là? Oh putain, c'est quoi ce délire? Tombé, j'utilise je sais pas combien de munitions pour de la merde. Ok, on va prendre le magnum, ça va très bien. De toute façon, on a masse de munitions, donc ça passe bien. Ok, on récupère le magnum. Putain, vas-y, viens là. Merci. Ok. Hop, on récupère la plante et on se barre. Ok. Là, un fusil à pompe, ça serait pas de refus. Hein. Malheureusement, on n'en a pas. Ok, ferme ta gueule. Putain, merde, mais si je commence à faire de la merde avec... Oh, c'est bon, j'aurais dû utiliser. C'est pour faire de la merde avec. Ça va pas le faire. Bam! T'as le démon là, hein? Fils de pute! Non mais là il a le démon, c'est tout, c'est comme ça, ça. Le mec, j'ai shooté comme c'est pas bien. Attends, ça c'est Call of, ça, attends. Quand tu joues à Call of, tu deviens une merde, mais bon, voilà, on s'en bat. D'accord. Pourquoi pas? Salut, moi je me casse. Oui, bah j'ai run, 2 secondes, oh! Pas besoin non plus de me presser le cul, hein, oh! Ok, il me tire dessus, ah, hein. Vas-y, run, connard, run! Psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Ok, alors lui il est là, hein. Mais il se retrouve là-haut bizarrement. Ah mais non, il est toujours là. Ok, la prochaine fois je ferai un mot à ma gueule. Ok, vas-tu reculer, ça fait des... Vas-y, essaye de venir là. Oh! Quoi? J'appuyais, putain. Connard, ben. J'ai bientôt plus de plantes, quoi. Ok, elle est chaud, là. Ah, mais... Enculé. Non. Oui, heureusement qu'il est rapide, mon sniper. Ça sert à ça de mettre le semi-automatique ultra rapide sur le sniper. Enfin, la cadence ultra rapide. Comme ça, au moins, eh ben, vous pouvez mitrailler. Enfin, entre guillemets, hein, parce que tu mitrailles pas tant que ça, mais... Je mitraille déjà plus qu'à la base. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer ça. Voilà. Hop. Et on va le mettre sur le truc. Ok, nickel. On pousse, voilà, une petite fois. Et voilà, nickel. Bon. Du coup, on peut continuer. C'est cool. Allez, c'est parti. Hop là. Nickel. Bon, du coup. Vous imaginez le sniper en oscope dans Resident Evil 4? Ça pourrait être pratique. Hein. Avec le petit viseur laser et tout. Ok, alors cette fois je te prends de gauche, sale PD. Ou de droite, ça dépend. Comment tu envisages les choses? Oh putain, mais il est malade lui. Oh, tu peux pas attendre 2 secondes, oui? Putain, j'ai cru qu'il allait me buter, tu sais. Oh, oh. Fais-le à la loyale, gros. Oh, mais t'es sérieux, toi? T'esquives les balles comme ça, toi? Tu t'es cru pour Wesker, quoi. Le mec, c'est. T'arrêtes, oui. Oh, mais je te tire plus là, ce que c'est. Voilà, good, si t'as envie. J'ai utilisé 12 balles pour te niquer, ça le PD, va. Putain, tout à côté, quoi. Ah oui, sinon, je m'en vais, c'est deux. Hop, on va y aller au pistolet. Ce sera bien mieux. Hop, mitraillette. Putain, mais j'ai plus rien. Plus d'espace, plus rien. Mon espace libre n'est pas là. Mais vas-y, vous êtes sérieux. Mais j'ai plus de balles de... Putain. Vas-y. C'est de la merde, c'est quoi? Ok, alors toi, déjà, tu calmes. Merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par là. Bien, ça me semblait. Ok, ça c'est fait.
Donc du coup. Voilà, nickel. Ouais, qu'est-ce que tu veux? What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Ok, c'est bon, je rigole. Non mais attends, mais putain. Deux secondes. Merci. Ils récupèrent cette plante. Tiens, d'ailleurs, je vais l'utiliser. Peut-être pas tout de suite, mais tout à l'heure, j'utiliserai. Ok, nickel. Bon. Bon, là, on sort le magnum. C'est vrai que j'ai oublié. Faut sortir le magnum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à gauche avant. Au moins, ça nous permettra de sauvegarder les balles de magnum. Putain, j'ai plus de place, quoi. Ouais, attends, on va faire ça. Voilà. Ok, bah à la limite, on fait ça, et puis... c'est réglé, quoi. Ok. Je pense que là, on a suffisamment de balles de magnum pour le niquer. Hein. Je crois qu'il en faut 7 ou 8. Ou... Et encore, j'ai pas amélioré à fond, et encore, j'avais le killer 7 quand je le faisais. Donc je sais pas du tout, mais je pense qu'il n'y en a pas besoin non plus de 10 milliards. Hein. Ok, là on a le deuxième. Et maintenant le dernier. Et ben celui qui est dans Wesker. Qui est dans son cul, quoi. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Oh, puissance de rien du tout, moi je te pète la gueule. Eh oui, si t'as envie. Ok, on se calme déjà. Non mais attends, je voulais pas descendre. Waouh, l'esquive de ouf. Ok, donc déjà on se calme. Non, vas-y, tiens. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Là, il y a 3 balles. Oh, il a pas tiré? What the fuck? Tiens, 4, 5. Merde, je me suis trompé. 5 balles quand même, j'ai mis. 5 balles. 6, 7. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? 8, 9. Putain, je me suis trompé. Ok, recharge, gros. Ok, calme-toi. Tiens, 10, 11, 12, 13, non, 13. Viens là. Merde, putain, wow, j'ai eu chaud là. Ok, vas-y, la 14ème là, je la fous ou pas? 14, 15, ok, on fout 15. Enfin, environ quoi, c'est un peu. Et encore, j'ai pas amélioré à fond le McDonald's. Mais avec le killer 7, je crois qu'il en faut un peu moins. Je suis pas sûr. T'as vu, il est dans son cul, je t'avais dit. Ok, ouais, on avait quand même largement les balles. Hein. Bon, bah c'est nickel tout ça. Ok. On recharge. Et puis on se barre. Alors juste on prend ça. Voilà. Ok, bah maintenant, bah voilà, on peut partir tranquille. Ah ouais, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Nickel chrome. Ce qu'on va faire, hop, on va libérer un peu de la place. Voilà. On a trop de plantes, c'est un truc de fou. Putain, j'en ai marre là. Ok, hop, on récupère ça. Et putain, dire, wow, c'est long, c'est long. Alors, il manque certaines pièces. Nanana, on s'en bat les steaks, gros, on s'en bat les steaks. Ok, vas-y, mets ça. Et j'ai besoin d'autres choses. Nanana, on s'en bat les steaks aussi. Ah, j'ai mal au cou. Putain. Ok, c'est parti. Déjà ? Oh putain, enfin. Bon, vous voyez que je vous avais dit qu'on allait tuer Wesker dans ce chapitre-là. J'en étais sûr. Ok. Alors du coup... Eh ben, on écrase les données, comme d'hab. Ok. Tu vois, j'avais oublié celui-là. J'avais un peu oublié. Voilà, alors hop. Comme d'hab, on se fait un peu le début de l'autre machin. Puis voilà, hein. Voilà, donc bah...
Ouais, bon, ça bat un peu les steaks, mais bon. Ok, d'accord. Oui, donc j'espère que... Bah oui, je suis venu à bout. Et encore, non, je suis pas venu à bout parce qu'il est encore vivant. Du coup, bah j'espère que ça vous aura plu. Enfin, je crois qu'il est encore vivant. Oh bon, on s'en bat les steaks, de toute façon. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ouais, je pense, ouais. Si, à mon avis, je pense que si. Bon, le prochain, normalement, c'est du 6-1. Je sais pas, j'ai pas bien vu... j'ai pas regardé. Je regarde jamais, en fait. Mais je crois que c'est du 6-1, ça me paraît logique. Après, peut-être ce sera du 5-4, mais ça m'étonnerait. Et donc, normalement, il nous reste deux chapitres, je crois, à faire. Normalement, il reste ça. Attends, il reste ça. Après, on va où? On arrive là, hop. Putain, j'arrive pas à voir la suite, là. J'arrive à voir où il y a l'hélico, tout ça. Et après, j'arrive pas à voir derrière la porte, bordel de merde. Il y a quoi derrière la porte? Bon, on doit arriver vers là, je pense. Ah, ouais, mais attends, il y a tout ça encore. Ah, chaud quand même. Hein. Peut-être que ce sera dans le prochain chapitre. Ah, et après, on est là, on arrive à la fin. Ouais, si, je pense qu'il reste deux chapitres. Il doit rester deux chapitres, je pense. Ok. Voilà. Un peu le bordel, non? C'est un petit regroupement. Un petit coup de lance-roquette ici, mais ils sont tous morts. Ok, donc du coup. Nous, on va droit dans le tas. On est fous, tu vois. Non, tu m'auras pas. Hop, normalement, il y a des balles de magnum ici. Allez, qu'est-ce que je disais? Non, mais tu vois, il y a des fois, hein. Je suis trop un fou, moi. Moi, je connais tout, moi, je connais tout. Vas-y, arrête-toi. Je m'en fous, je t'aurai un jour, je t'aurai. Allez, on va combattre. Ouais, mais nickel, toi. Enfin bon. Je te pète la gueule, moi. J'ai pas un... Non, j'ai même pas de lance-roquette, dommage. Ça aurait été marrant. Vas-y, il est où? Vas-y, il est où? Oh, ça le PD, va. C'est parti où? Oh, enculé! Oh, enculé, il est même pas là. Vas-y, il est parti où, ce PD? Ah, il est là. Ta gueule, salabri! Est-ce qu'il fait comme... comme l'autre là. Parce que tu sais, dans. Dans la maison là où il y a Loïs là, ou je sais pas quoi là. Enfin, il y a l'autre là. Et ben il. Et ben dès que tu lui tires dessus et tout, un peu trop et tout, bah après il se rebelle et tout, il te tue et tout. Ok, non mais je rigolais les gars, hein. Je suis de votre côté, la preuve, je tire sur mon hélico quoi. Donc faites pas chier. Mais où le mec? Enfin bon, on s'en bat les steaks de toute façon. Moi je vous dis à une prochaine. J'espère que l'épisode vous aura plu. Mais attends, on va essayer de faire un shot. Putain, c'est chaud. Oh! Oh! Putain, c'est sérieux? Boum! Bitch! Ça c'est bon ça. Ok, hop. Ouais, on s'en bat les steaks. Alors, du coup, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde! Ciao!